Ouais. Tu veux que je fasse un tuto pour expliquer comment manger une pomme? Ouais. Parce que tout le monde mange des pommes de façon pas cohérente, alors moi je les mange de façon cohérente. Okay. Faut manger par le haut. Clac, clac, comme ça t'en as que dans les dents du bas, pas dans les dents du haut. Sacrée discussion là en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Je pense que tu devrais plus te rapprocher de son visage. C'est une très bonne technique en vrai. Toi t'as une belle peau. C'est une carte routine là comme d'Alto. Les gars, on a une porte, ça mène direct à leur chambre. Mais c'est hilarant. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'opening de mon nouvel hôtel. Vas-y, montrez-nous, il y a quoi ici? Toilettes. Elles sont sympas ou pas? C'est des toilettes, c'est des toilettes, c'est pas la tête. Ici, ma petite salle de bain, quand j'hésite, je vais à la douche, c'est l'inverse. Je vais à la douche et là, sympa. À la baignoire, t'as capté. Ok, très mignon. Ouais, très sympa. On aime bien. Là, on a... Ouais bah, laisse-moi rentrer. Allez, lit. Petite chambre. T'as peur, frère? Non, les chaussures et les habits de dehors, mais tout le monde... Je peux tuer pour ça. Ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Un petit choco. La vue dehors, elle est trop mignonne. Comment je fais, moi? Un petit balcon. Les habits de dehors, putain de merde! Je vais mettre tout. Vas-y! Des lunettes. Et franchement, la doudoune, elle a l'air un peu cool. On tirait vraiment avec des codes de commerce. Mais Pierre, exactement cette énergie-là. Ça, j'adore! Mais là, tout de suite, t'as l'énergie des mecs qui se mettent tout nus en soirée quand ils sont bourrés. Elle est énervée, la doudoune. La doudoune, elle est cool. Attends, il y a un double fond, je crois, il y a un suite. C'est des lunettes. Ah non, c'est des chaussettes! Mais non! De petites. Oh, je les adore! En vrai, c'est dingue. En vrai, dingue. C'est délirant, bref. Très bien, mais je suis prêt. Super. Oh, j'aime beaucoup ce plan. Pas sûr de l'ADA là. J'ai un pouf sur ma tête. Mais j'ai dit qu'on met Yasmine debout là, on la perd. T'es un chien de la casse. Chien de la classe. Oh. J'ai sorti la nouvelle paire. Va-t'en là, je vlog. Je peux pas faire pire setup là. Mais genre j'ai mis une lumière comme ça. Faut que je retape mon make-up vite fait. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai la flemme de tout démaquiller. On a pas le temps. En gros, je suis là avec Pepsi. Et du coup, la team, bah, y a Raska avec moi. Il y a Shai qui est aussi une copine. Pierre que vous voyez, c'est mon agent, mon manager. Bref, il bosse avec moi. Trop cool qu'il soit venu. Et il y a aussi Sandy Jules que je connaissais pas. Je crois que je l'avais jamais rencontré, mais trop mignon. Et son pote Eden. Et du coup, la team Pepsi qui est là. Et je vais skier pour la première fois. Faut que je me maquille en même temps que je parle, sinon on va pas avancer. Je pense que en tenue, je vais mettre un petit top léopard Roberto Cavalli que j'ai acheté sur Vinted, genre pour 10 euros. Il est trop beau. Je pense que vous pouvez le retrouver parce que Chiara, une pote à moi, elle l'avait vu sur moi. Elle l'avait trop kiffé. Elle l'a retrouvé sur Vinted pour, je crois, 15 euros. Ouais. C'est un enfer. En fait, à chaque fois que je veux me montrer moi, tu interviens. Bon, du coup, j'ai mis ce petit haut. C'est le petit haut que je vous disais. J'ai fait mes cheveux vite fait. Bref, et avec, je vais mettre mes petites moon boots. Aouh! Putain! De tous les desserts. De tous les desserts là. Somptueux, il a pris. Le meilleur. Du riz au lait. Chai, tu prends quoi? Faites-moi vos dégustations là. Qu'est-ce qu'on choisit? En fait, je me suis fait un peu baiser parce que c'est une assiette à volonté. Voilà la taille de l'assiette que j'ai pris. Ah. Par contre, c'est très beau. Je vais goûter. Salut à tous les gars. C'est Pierre Lombard. Je suis un petit vlog chez Narnia là. Yasmine m'a renfermé dans le putain de placard. Donc, olé. On a trop mangé. Imagine. Il arrive comme ça. Je vous jure qu'il y a une porte dans la chambre, c'est un problème parce que ils arrivent à toute heure. Mais laisse-moi vivre. Genre ça là. Ouais. Ça, ce qu'on est en train de dire, ça intéresse des gens. Là. Bah oui, de fou. Ça vous intéresse ou pas? C'est fou. Et vous, la commu, comment s'est passée votre journée? Dites-nous tout en commentaire. T'as fait ça toute ta vie, toi, ça se voit. Bah ouais, gros. On dirait que c'est un small. S'il te plaît, montre où est-ce que t'allais les mettre à la base. Je t'en supplie. Je vais les mettre là. Il m'a dit, c'est comme les concombres. Mais frère, tu me fais faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Aïe! Non, tu ressembles à un panda, mais de matcha. Un panda matcha? Un panda matcha. Mais tu vois les pandas roux? Non, tu ressembles pas à ça.
Tu sens pas. Non, 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 un panda roux, c'est genre Maître Shifu dans Kung Fu Panda. Et moi, je kiffe. Tu sais que dans mon groupe de potes, on a tous un blaze des gens dans Kung Fu Panda. Ah ouais? Ouais. T'as Mante, Maître Mante, je te jure. T'as Commandant Vachir, t'as Maître Singe, Maître Vipère. Dédicace à Gabin si tu regardes. Gabin Attal, c'est Maître Shifu. Attends, t'es pote avec Gabriel Attal? Non, 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 non. Gabin Attal. Moi, je suis chef loup. Et sur le papier, c'est stylé un peu d'être un loup. Sauf tu vois pas c'est qui, chef loup? Bah voilà, pour les vrais connaisseurs de Kung Fu Panda, ils savent que c'est une vieille hyène nulle. Enfin, c'est un loup, du coup, c'est pas une hyène, mais genre, nul. Okay. Ouais, tu fais San Ping. C'est qui? Ouais, tu regarderas. San Ping, c'est Loa qui fait des nouilles. Avec l'ingrédient secret. Ah, ouais. Ok, ça me va. Pourquoi ça me brûle les yeux? Mais non. Avec ma mère, ça me pique. Arrête. Ça me donne trop faim. Ça me donne envie de manger. Oui, moi aussi, grave envie. Après, tu sais, avec mes ongles, je mets... Mais arrête de faire ah, mais ça me pique. C'est pire que moi, je suis en train de truc-là. Là, les gars, j'y vais. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Les gars, je suis absolument terrorisée, c'est bon. J'ai failli me mettre dans la... Allez, où? La petite, on voit pas. Il y a une petite maison là quelque part. Là, juste là, voilà. Elle là, je vais me rentrer dedans. Ok, j'aurais pété mes skis, j'aurais pété ma gueule, j'aurais tout pété. Même le moniteur, il a dit bon, je vais te surveiller parce que là, c'est pas facile. Question de point de vue en vrai. Ouais, question de point de vue. Toi, de ton point de vue, j'étais comment? Exécrable. Non, t'as été grave courageuse. Non, t'as vu ce qu'une grand-mère. Ah. Oui, hein. Ça, respect, parce que je pense que la grand-mère, elle, c'est la respect. Je pense même pas à faire mon contenu là, je suis terrifiée. Mais genre, vraiment, je suis terrifiée. C'est trop chiant d'être aussi nulle dans tout. Mais t'es pas nul. Je suis nul dans tout, je te jure, là, j'ai envie de pleurer. C'est parti, les gars. Ok, va vers la. À ta gauche, ta gauche, ta gauche. Là, tu vas sur moi. Tu vas sur moi, là. Vas-y. Je suis terrifiée. Vas-y. Serre le bout de tes skis au bout. Vas-y, et regarde droit devant toi. Regarde droit devant toi. 3, 2, 1. Et hop là. Perdu. Mais non, on dirait un pouce. Les gars, on dirait un chocobon sur des skis. Les gars, je vous jure que j'essaye. Genre vraiment, j'essaye, mais je suis terrorisée. Genre vraiment, je suis terrorisée. Et j'arrive pas. J'ai trop peur de faire mal à quelqu'un. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai peur de rentrer dans quelqu'un. Bah c'est ça. Hein? T'es trop belle, ça te va bien le ski. Merci, c'est gentil. Ça prenait vraiment partout sur ton pull. Justement, c'est un côté lifestyle, un côté vintage. Toi qui gères l'activité là? Oh wow. Ok, j'aime bien, ça te va bien. Moi, c'est un sans bacon et sans cornichon, s'il vous plaît. Look là. Les gars, c'est balèze. C'est trop bon. Là, on revient à la folie douce, enfin tout seul. Il y avait un cunambule là. Je suis remonté jusqu'en haut. Et là, j'ai descendu là, toute la montagne. Ah, mais celle-là, donc celle-là, là, tu l'as descendue ouais, là. Et la piste, elle, la piste noire là, tout en haut. Parce qu'en fait, on lui a dit que ça mettait 5 minutes à descendre de la montagne. Mais si t'allais tout droit 5 minutes, mais frère, au moment, tu fais des virages dans la vie, tu vois. La piste, elle s'appelle comment? Olympique. Ah, mais il y a les Jeux Olympiques ici. Bah oui. En fait, on est tous merguez quoi. Ouais, vraiment. C'est le droit de l'île. Ah. Non, ça c'est. Mais non, les gars, deux fois. Tu tiens ça, prends plus loin ta main. Tu donnes une impulsion. Tu me l'as rapproché. Oh. Attends. Ouais. Non, y'a moyen, tu arrives. Arrête. Oh oui. Deux. Oh. Notre revanche tout à l'heure. Bah oui, mais les forts contre les nuls. Donc nous on est forts. Bah du coup, c'est du coup l'équipe des losers. Ça te va? Il me déteste. Mais on s'en fout parce qu'on a gagné. Ça, on voit. C'est pour deux ça. On fait tous les deux. Là, en tout cas, on fait 120 kilos à deux. Oui. Ah, c'est vrai qu'on est né le même jour. Il y en a un qui est plus beau que l'autre. On dirait pas qui. C'est pas le concept. Après, Jules est très beau. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va le détremper. Tu parles de la fondue ou de la luge? De la luge. On va faire de la luge. Mais tu t'enfonces complètement là.
C'est un. On partait plein de bonnes intentions. En fait, il y a trop de poudreuse. Mais il y a pas mal, il y a deux pistes. Mais le mec, il a eu la. Attendez. Vas-y, fais-nous une petite démo là de comment ça glisse. Regarde, il s'amuse, ça fait plaisir de voir s'amuser ouais, un peu quoi. Déconnecte un peu, tu te gardes en bas. Déconnecte un peu. Oh, t'es mort. Ouais. Allez. Non. J'abandonne. Putain, je voulais un plan cool où on fait les valises pour le vlog. T'es même pas foutu de plier une veste. J'ai fini ma valise, on part déjà, je suis dégoûtée. D'abord, bon. Hey, je peux... tourner la caméra à tout moment de ma vie, il y a toi qui est en train de faire un truc de Gaulmont à côté. C'est tout la Gaulmont. Là, on va aller manger une fondue avant de partir et après on se cache, je crois, on a 2 heures de route jusqu'à Chambéry en voiture et après on prend le train. Donc je retrouve Emma ce soir, mais en tout cas c'était trop beau. C'était un très beau séjour. Bon, c'est pas fini donc je parle pas comme si c'était fini. Mais ouais, je regarde. Il a fait que de dire si quelqu'un en veut. Personne n'en veut. Tout le monde t'a répondu. Les gars, je viens de rentrer du ski, c'était trop bien. Franchement, c'était trop trop bien. Je suis trop contente parce qu'en vrai. Le casting était assez étonnant parce que moi et Raska, on est potes et tout le monde le sait, donc trop cool, on était trop contents de partir ensemble. On pouvait chacun ramener un plus un, du coup moi j'ai ramené mon agent avec qui je m'entends super bien, comme vous avez pu le voir, et Simon a ramené Shai, et du coup trop bien parce que c'est ma copine et tout, donc on était trop contents d'être tous les quatre. Et pour le coup, bah, Sandy Jules, je ne l'avais jamais vraiment rencontré, je savais pas comment ça allait matcher, et je l'ai tellement aimé. Il était si drôle, genre vraiment c'est trop marré, je l'aime trop vraiment. Il y a plein de scènes que je pouvais pas mettre dans le vlog parce que parce qu'on raconte des trucs privés ou que c'est trop border ou bref, mais on s'est tellement marré. Et pareil, donc Eden qui était son plus un, je l'avais déjà rencontré mais il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, et une crème, vraiment les deux. Et je vais pas vous mentir, j'avais des a priori parce que vous voyez, dans l'influence, il y a plein de groupes différents et je fais pas partie de leur groupe. Je pensais que, je sais pas, qu'ils allaient pas trop nous intégrer et tout, et au final, bah en fait, ils nous ont tous considérés de la même façon et ça fait trop plaisir parce que c'est rare en vrai dans l'influence. Et on s'est trop marré, genre vraiment, c'était les premiers à avoir envie de passer du temps avec nous. Il y a vraiment, enfin, je sais pas, il y avait grave une synergie dans le groupe, on se marrait trop. Le dernier soir, j'ai pas pu trop filmer parce que j'avais plus de batterie, mais quand on nous voit au resto et qu'après on est dans une espèce de salle, on a joué à Undercover la moitié de la nuit. On était là entre nous à faire des jeux, à rigoler, à se raconter des trucs. Vraiment, on s'est trop marré. J'aurais aimé rester encore quelques jours de plus avec la même équipe. Et j'espère que j'aurai l'occasion de repartir avec eux, avec la même équipe, dans une autre destination. Ce serait trop cool. En tout cas, grand merci à Pepsi quand même parce que c'était trop bien organisé. Et j'ai fait du ski pour la première fois de ma vie. Alors, j'ai pas brillé dans ce sport, on va pas se mentir. Mais... j'étais grave fière de moi. J'étais fière de moi de l'avoir fait parce que j'ai paniqué. J'étais vraiment très, très stressée. C'était dur de prendre sur moi, mentalement. Mais je suis déjà allée plus loin que ce que je vais d'habitude parce que d'habitude, je refuse et je ne fais rien. Et là, je l'ai fait quand même, même si j'avais peur. Pierre, il m'a grave soutenue, franchement, trop mimi. C'était trop cool et le moniteur était trop gentil. Donc c'était cool. On s'est bien marré. Raska et Jean, ils ont... Franchement, ils sont très bien démerdés, eux, en ski. Hein. Et moi, j'ai pas ces aptitudes-là. Mais bref, là, je suis rentrée. Je suis en train de monter le vlog actuellement et je regarde déjà tous les rushs et ça me fait rire. Il y a tellement de trucs que j'aimerais vous mettre, mais que je suis obligée de biper. Mais bref, je me suis trop marrée. J'espère que vous allez rigoler aussi devant ce vlog. J'attends tous vos commentaires. Je demande jamais, mais abonnez-vous, likez. En vrai, je m'en fous des abonnements et des likes. Moi, j'aime voir vos commentaires et vos retours. Ça me fait juste trop plaisir. C'est triste de rentrer du ski, mais vous voyez, ce qui fait du bien, c'est retrouver sa petite femme qui vous fait des bons petits plats. Qu'est-ce que tu nous cookes, là? Oh, j'adore les champignons. Mais tu me connais par cœur. Avec des petites escalopes à la crème, ouais, et un peu de riz. Ouais, tu vas mal. Ah, tu vois, quand on fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison, quoi. Avec mon Orelsan. Bon, allez, bisous pour de vrai cette fois.